Bonjour Gérard. Bonjour. Je pense qu'il y aurait peut-être des précisions à faire sur le BRF. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le meilleur BRF, alors le BRF, ça veut rien dire BRF, quoi. Il y a des tas de BRF différents, quoi. Déjà, est-ce que c'est du feuillu ou est-ce que c'est du conifère, hein? Déjà, ça, c'est la principale question à se poser. Et puis après, même dans le feuillu, est-ce que ce feuillu, il contient des huiles essentielles ou il ne contient pas d'huile essentielle? Donc ça, deuxième question à se poser. Et puis après, à quelle époque je le récolte? Si je le récolte l'été en feuilles, il n'aura pas du tout la même composition que si je le récolte l'hiver sans feuilles. Et puis après, ce qui va changer aussi les propriétés et les compositions, c'est la taille des branches que vous allez broyer pour faire votre BRF. Si vous coupez du BRF que la taille maximale des branches est de la taille du pouce, ou si vous utilisez du BRF dont la taille maximale des branches est 15-20 cm, ça va pas faire la même chose, hein. De diamètre, hein, je parle. Ça va pas faire la même chose, hein. Donc, le BRF, la fertilité que va donner votre BRF, il est fonction de l'arbre, des essences, de l'époque où vous le cueillez, et puis de la taille des branches. Et puis il y a aussi des BRF, des arbres, comme le chêne ou comme le châtaignier, qui contiennent beaucoup de tanins. Alors là, il y a une idée reçue complète. C'est que les tanins sont mauvais pour le sol. Ah non, les tanins sont excellents pour le sol. Les tanins sont des sucres, donc excellents pour le sol. Et notamment, les tanins du chêne et du châtaignier vont faire chélater un poison que vous pouvez avoir dans votre sol qui s'appelle l'aluminium. Donc, si vous mettez du BRF de chêne ou du BRF de châtaignier, ben vous allez nettoyer votre sol de l'aluminium. Voilà, c'est pas mal. Parce que l'aluminium, elle empêche les plantes de pousser. L'aluminium, elle est allélopathique. Allélopathique, c'est-à-dire qu'empêche les autres plantes de pousser, hein, voire même nanifiante, ou si elle pousse même, quoi. Donc si vous avez des poireaux nains ou des tomates naines, ça ne va pas le faire, quoi. Donc si vous avez de l'aluminium dans le sol, c'est bien de mettre du BRF de chêne ou de châtaignier. Voilà. Et puis après, ben, les BRF de conifères, donc d'arbres à feuilles persistantes, contiennent énormément de résine et d'huile essentielle, notamment des terpènes. Et les terpènes sont bactéricides, donc vont anéantir votre vie microbienne aérobie. Donc c'est pas recommandé de mettre ces BRF-là, quoi. Ou alors, il faut les vraiment les broyer et les composter pendant 2-3 ans. Et là, on peut avoir un produit acceptable après. Donc, vous voyez, suivant le produit que vous employez, ce n'est pas la même chose. Et puis, autrement, vous avez les plantes qui sont à peine ligneuses, hein, comme les pailles. Les pailles contiennent un peu de lignine, hein, contiennent un peu de bois, mais très peu. Puis, vous avez les ronces aussi, qui sont à peine ligneuses. Bah, la fougéraigne, qui est à peine ligneuse, mais qui contient aussi de la lignine. Voilà. Donc, ou le buis, hein, qui est à peine ligneux. Si vous prenez que les jeunes pousses, qui est à peine ligneux, mais qui contient quand même un peu de lignine. Donc, ça, ce qu'ils font, au contraire, c'est les meilleurs, ceux-là. C'est ceux qui ont les BRF les plus équilibrés du point de vue rapport carbone sur azote, quoi. Donc, voilà. Pour utiliser les BRF, choisis ton camp, camarade. Ok, bon bah merci Gérard pour cette précision.